مامي الشاب مامي الحساية وعلم الكاسي الكوسي Donc, chers auditrices et auditeurs, et bienvenue à un nouveau numéro de votre émission La beauté de la musique arabe. Et d'un ahlan wa sahlan bikum ayyuhal mustami'un al-ahibba ila adad jadid min hissatikum jamaliyat al-musiqa al-arabiyya. Et puis donc, cette émission, chers auditrices et auditeurs, ce numéro de La beauté de la musique arabe, je vais le consacrer entièrement à la musique raï, une musique internationale donc, qui s'est établie à travers le monde entier, donc à travers les Khaled, les Mami, Shaba Zahouania, Houari Ben Chennat, Bilal, etc., etc. Alors, ça va être dédié à cette très belle musique, la musique raï.
Donc, juste, chers auditrices et auditeurs, durant cette émission, en fait, on va dire les contenus de cette émission, La Beauté de la Musique Arabe, في محتويات هذه الحصة من الحصص السابقة, la musique arabe a été traitée dans au moins 3 émissions, donc par moi-même et par notre chroniqueur musicien, Monsieur Aziz Daouni. Et puis, on a parlé en détail, donc on a parlé de... Et juste pour rappel que donc la musique raï algérienne, parce que la musique raï, c'est spécifiquement algérien, c'est à l'ouest de l'Algérie, donc on va dire Sidi Belabbès, les villes de Ouaharan, Oran, Sidi Belabbès et ses environs. Donc les influences au fait des années 30 et des années 35-40, l'origine en fait c'est à deux icônes, deux chiouchs, Cheikh Hassouna. Donc Cheikh Ourniyat al-Malhoun, le style Malhoun comme on dit, et Cheikh Rimiti. Donc Cheikh Rimiti aussi c'est une maître du Malhoun et du Raï aussi, donc elle a appris le Malhoun et lui a introduit un rythme un peu Raï. Et tout maintenant les grands, les icônes, les Mami, les Khaled, Zawaniya, Ben Chennat, etc., ils se sont inspirés de leurs travaux, on va dire, et de leur Qsaïd et de leur rythme. Donc c'est un peu ça, un résumé. Et puis juste de mentionner la première chanson que vous avez écoutée, donc Mental Colonel, c'était Cheb Mami. Et puis la deuxième c'était le regretté Hassani. Et je vous laisse avec un succès des années 80 en Algérie, une chanson en tout cas très connue au fait par les dinosaures comme moi et les gens de mon âge, 40-50 ans. Et puis cette chanson elle a occupé les hit parades en Hollande, je pense en Hollande ou en Belgique, pendant des semaines. Les occupés le hit parade, c'était la chanson numéro 1 avec Hamid Baroudi, Caravan to Baghdad.
Et puis, juste, donc, chers auditrices et auditeurs, de mentionner aussi rapidement que le rail en Algérie a vu le jour avec cette nouvelle, la génération des jeunes et toutes, au début des années 80, 82, 83, 84, et vers la mi-80, donc en 85, 86, c'était l'apogée donc de ce style musical, de cette musique, et qui a franchi toutes les frontières avec, en fait, il y avait deux émissions majeures donc en Algérie qui ont mis en exergue ce style. C'était l'émission Bled Music sur l'UNTV, la chaîne de télévision nationale algérienne, et l'émission Rai, donc une émission Rai sur Radio Chaîne 3 en 85-86. Juste cette chanson, chers auditrices et auditeurs, c'est Khaled, évidemment, Cheb Khaled, avec cette chanson, elle s'intitule Minuit, et c'était un grand, très grand succès dans les années 80. C'était en 86 qu'elle est sortie, puis elle a fait un tabac en Algérie et ailleurs.
جيتينا شهراني سوفري يما جيتين بكراني لغيب يما جيتينا شهراني سوفري يما جيتين بكراني الشام عبد الحق بخضر مسعود تاع العلمه بخضر افريك فونو بخضر بوعلم ام حي الدين ممو هذا كريم تاع كمين والجلالي حسن مصطفى والهواري وناس لاكانكيت Donc juste aussi de mentionner, chères auditrices et auditeurs, comment on l'a fait, on l'a traité comme j'ai dit tout à l'heure, dans beaucoup d'émissions consacrées au raï, donc à cette musique raï, on remarque qu'il n'y a pas de musique ou de style arabe partout, dans tous les pays arabes. Et ça, c'est pas un dénigrement des autres pays ou des autres musiques, mais il n'y a aucun style incluant, par exemple, les grands Farid al-Atrash ou Oum Kalthoum, avec tout le respect que je leur dois, avec leurs styles musicaux, les autres musiques du Mashriq, de n'importe où, il n'y a aucune musique ou aucun style de musique qui est devenu une musique internationale acceptée et jouée. Et les CD, cette industrie, en fait, en France, surtout en France, en Belgique et en Suisse, c'est une industrie à coût de centaines de millions d'euros.
regretté Jilali Amarna avec Khelouni. Vous êtes à l'écoute de Mami avec Mandy Wally. We'll be right back.
إديسيون لوف موزي قدمنا لكم الشيخة الجنية كبيرة الحقانية بنية سعيدة وعبد القادر ولد عيش وفي خبر نتوة الزيامي وفي خبر وليدات السينيا وفي خبر وليدات الكرمة حبيبنا ما ننسوهمش يا ماما هيل بابو الرحمة ولاش يا ماما حرمة بابو الرحمة ولا إيس عرض يا معها ولا متج مواقع ويا رايك بابو الرحمة ولاش حروني بدمو حروني
êtes toujours, chers auditrices et auditeurs, à l'écoute de votre émission La Beauté de la Musique Arabe, diffusée sur Radio Centre-Ville à Montréal, 102,3 FM et sur radiocentreville.com, ainsi que sur la page Facebook de cette émission La Beauté de la Musique Arabe. Antum daiman fil istima ila hissatikum jamaliyat al musiqa al arabiya allati tubath ala amwaj Radio Centre-Ville bi Montréal wal mawja 102.3 FM. Vous êtes à l'écoute d'une performance live donc du groupe Amarna, donc qui a donc c'est ce groupe là donc qui a chanté au fait cette première chanson en fait comment dirais-je, les mots m'échappent là, c'est que la chanson Yezina, c'est aussi une des chansons qui a fait un tabac, un grand tabac en Algérie. Et puis vous êtes à l'écoute d'une performance live avec le regretté Amarna, ou plutôt Gilles Ali Amar. Yeah.
يشوف كي داير يعيب ويقطع في الناس ما عنده والو يبغي ناقر خوي صفر ذاك الراس ما يسعى حساب داير ما قرا ما عنده ساس لعبها للغاشي واعر ما تخرو حوت سنفاس ليام الاوجاع ليام الاوجاع يونيتي يا ليام راح نقو راح تسلبنا لحيا لحشمة لحتيران معهم الراقة حصلنا عالناس تزيد القدام وحنا ندورو في بلاصتنا والعقلية الأمام يا ودي ريا طلعنا دخنا ليام الأوجاع ليام الأوجاع Et puis je vous laisse avec Cheikh Harim, ici justement la référence, une des maîtres du chant al-Melhoun, musique al-Melhoun ou musique al-Rai, Cheikh Harim. Thank you.
Et puis ceux qui ont une mémoire, on va dire d'éléphant, c'est ceux qui sont des dinosaures comme moi, se souviennent en Algérie de cette très belle chanson d'Irulul Hanna de Cheb Jalti. Et aussi cette très belle chanson a beaucoup tourné, puis elle était écoutée dans les fêtes de mariage, Aras ou Aras al-Khitan ou des choses comme ça. Alors je vous laisse donc vous régaler au fait avec Dirulul Hanna de Cheb Jalti. Qui ne se souvient pas de Polyphène et de cette très belle chanson? Alors je vous laisse l'écouter et l'apprécier. Thank you.
vous laisse avec la troupe Noujoum Saf. Chers auditrices et auditeurs, on arrive à la fin de ce numéro de votre émission Eden, votre émission La Beauté de la Musique Arabe. نصل أيها المستمعون الأحبة إلى نهاية هذا العدد من حصتكم جمالية موسيقى العربية في aujourd'hui je l'ai consacré uniquement donc à la musique au style raï. En fait, ce que je vous ai fait écouter, comme on dit, c'est une goutte dans l'océan de la musique et du chant raï. Je vous ai fait écouter donc Cheb Mami, Hassni, Hamid Baroudi, Sheikha Jnia, Cheb Jalti, Abdelhaq, Cheb Abdelhaq, Jilal et Amarna, la troupe Amarna, Cheb Bilal, Sheikha Rimiti, donc la regrettée Sheikha Rimiti, la maîtresse ou la maître du raï, Polyphène des années 80 et quelques hits, on va dire, des années 80 en Algérie. Et puis je vous souhaite une bonne journée. Je vous laisse et je vous souhaite une bonne journée. À la prochaine. Salut. Bye bye.
خلوني اللي نبكي ما بقتش اللي صبرني.